test. OK. Donc, les sources qui sont pertinentes à apporter des réponses à cette requête. Ensuite, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle du query writing, c'est-à-dire réécrire la requête initiale en plusieurs sous-requêtes afin d'interroger chaque base de données sur ses propres données. Donc, si on a une donnée si on a une requête qui cherche à savoir le nom et le prénom, et qu'on a une base de données pour les noms, ça ne sert à rien de demander le prénom à cette base de données. Donc, la troisième étape, c'est qu'une fois cette réécriture faite, essayer de générer le plan optimal pour évaluer ces requêtes. Et la dernière étape, c'est l'évaluation des requêtes. Donc, dans ce papier, nous nous sommes focalisés sur l'étape query writing, la réécriture des sous-requêtes. Donc, plus précisément, de manière plus technique, un moteur de requête Sparkle DQP, donc lorsqu'il reçoit une requête Sparkle, donc il effectue la réécriture, il envoie les sous-requêtes au Sparkle Endpoint, et au sein de chaque Sparkle Endpoint, on a une évaluation locale de la sous-requête qui est reçue. Ensuite, les résultats intermédiaires sont renvoyés au moteur de requête Sparkle qui effectue la jointure globale avant de renvoyer les résultats à l'utilisateur. Donc, les challenges, la première, c'est comment arriver à définir une sémantique propre pour les Sparkle DQP. En fait, Sparkle, initialement, n'était pas conçu pour faire une exécution en mode distribué. Donc, il faut définir une nouvelle sémantique lorsqu'on a plusieurs sources qui sont distribuées. Et la deuxième, c'est la problématique de la performance. Si on effectue une réécriture naïve des sous-requêtes, elles ne sont pas forcément efficaces. Donc, la problématique, c'est comment arriver à proposer une réécriture des requêtes qui est optimale. Donc maintenant, nous allons parler de la problématique de la sémantique. Donc, on a une hypothèse qui est que lorsqu'un utilisateur envoie une requête en mode décupé, il est supposé recevoir le même nombre de réponses que si toutes les données étaient envoyées étaient regroupées dans une seule source, donc dans un seul graphe. Donc ceci revient à, lorsqu'on a une requête en mode distribué, l'évaluer à travers un graphe virtuel qui regrouperait toutes les sources qu'on a. Cependant, en fait, ce graphe virtuel, il a certaines contraintes. Donc, la première, c'est une réplication des données. Donc ici, on voit qu'on a deux sources, S1 et SN. Et dans ces deux sources, avec les lignes rouges, on voit qu'il y a des données qui sont répliquées. On a Sparks, T1 et Teams. Donc, ce qui fait que le triplet T1, Teams, Sparkle, il est répliqué dans les deux sources. Alors que si on est en RDF standard, on n'a pas de duplication de triplet. Donc, la deuxième contrainte est qu'on peut avoir des redondances de résultats qui sont liées à cette réplication des données. Par exemple, sur ce graphe, sur le même graphe qu'on a, si on envoie la requête, une variable T1 avec le prédicat, Team, et la valeur Sparks, on va obtenir deux résultats. Alors que si c'était dans un graphe RDF standard, on aurait eu un seul résultat. La contrainte suivante, c'est les graphes nommés. Donc, les graphes nommés, ce sont des sous-graphes du graphe par défaut de RDF et qui sont identifiés par des IRI. Et il peut arriver qu'on ait des graphes nommés qui sont distribués avec les mêmes identifiants. Donc, Sparkle ne définit pas si forcément ces deux graphes appartiennent à la même source ou pas. Et le dernier point, c'est les blank nodes. Donc, les blank nodes, ce sont des nœuds qui n'ont pas d'identifiant. En mode distribué, si un Sparkle endpoint renvoie une réponse avec un blank node et que le moteur, pour faire des jointures suivantes, lui redonne la réponse, il n'est pas en mesure de savoir si c'est le même plan que l'autre ou pas, puisqu'il n'y a pas d'identifiant. Donc, la première contribution qu'on a faite, c'est d'essayer d'arriver à définir une sémantique propre pour les requêtes Sparkle en mode distribué. Donc, pour les contraintes que nous avons identifiées, pour la première, à savoir les données répliquées, lorsqu'on va envoyer une requête et qu'on a un triplet qui est rendu plusieurs fois,
on va considérer que on va compter la réponse qu'une seule fois. Donc avec l'exemple qu'on avait, au lieu de considérer qu'on a deux résultats, on va considérer qu'on a qu'un seul résultat pour éviter la réplication de données. Et pour les graphes nommés, donc on fait l'hypothèse que si on a deux sous-graphes nommés distribués avec les mêmes identifiants, qu'ils appartiennent à la même source de données. Parce que généralement, les IRI sont assez spécifiques pour éviter une collision entre les noms. Donc pour les blancs-notes, il est impossible de pouvoir identifier les blancs-notes dans la problématique définie auparavant. Donc on considère que tous les blancs-notes sont différents, et pour éviter cette problématique, il faut en amont, avant de les répliquer ou de les distribuer, leur attribuer des IRI. Ce processus est appelé Skolemization Process en RDF. Et pour les résultats qui sont redondants du fait qu'il y a une réplication des données, le moteur de requête doit être en mesure de supprimer ces résultats. Donc maintenant, je vais parler de la problématique de la performance de la réécriture des requêtes. Donc ceci est un exemple de requête Sparkle. Olfa a expliqué avant moi comment ça fonctionne. Et voici un exemple de partition qu'on peut avoir. Donc ici, on a les prédicats, team, groupe et name qui sont partitionnés horizontalement, c'est-à-dire qu'on peut les retrouver. C'est bon, donc maintenant je vais parler de la problématique de la performance des requêtes. Je reviens sur... Ouais, donc on a les données qui sont partitionnées. Les prédicats en rouge sont partitionnés horizontalement, c'est-à-dire qu'on peut les retrouver dans plusieurs sources. Et le prédicat en bleu est partitionné verticalement, on la retrouve que dans la source S3. Donc la première approche, c'est d'évaluer les triplets un par un, c'est-à-dire d'envoyer les triplets un par un vers les sources, de récupérer les résultats et de faire le traitement. Avec cette approche, on est sûr d'avoir les résultats complets, mais par contre, on génère plusieurs requêtes distantes et toutes les jointures sont effectuées au niveau du moteur. L'autre approche, c'est d'essayer de regrouper les triplets en sous-ensemble. C'est ce qu'on appelle basic graph pattern. Donc, par exemple, si on envoie un groupe, une sous-requête avec les prédicats en rouge, on peut trouver les résultats, un résultat dans chacune des deux ensembles. Donc, avec cette approche, on envoie moins de résultats, mais par contre, si on l'applique naïvement, on n'a pas tous les résultats. Ici, le résultat qui provient de la jointure des deux sources n'est pas récupéré. Donc, c'est ce qui fait qu'en fait, généralement, dans l'état de l'art, les approches, ce qu'ils font, ils utilisent l'approche BJP pour les données qui sont partitionnées verticalement et l'approche par triple pour les données qui sont partitionnées horizontalement. Donc là, je liste un certain nombre de travaux qui existent, FedEx, Dark, Splendid et Anapsid, donc qui sont des moteurs de requête Sparkle. Donc ils utilisent des index pour pouvoir identifier comment les prédicats sont partitionnés à travers les sources, et en fonction de ça, ils appliquent des méthodes de query writing. Et dans tous ces travaux, en fait, l'approche BJP n'est utilisée que pour les données qui sont de manière verticale. Dans FedEx, par exemple, ils appellent ça exclusive group, et l'approche TRIP n'est utilisée que pour la partie horizontale. Donc, c'est une des limites de ces approches. Et l'autre limite est que ces approches ne sont pas compatibles à Sparkle 1.1. Par exemple, dans FedEx, les requêtes avec des propriétés de passe ou minus ne marchent pas forcément. Donc, suite à cette analyse, nous avons proposé une nouvelle approche de réécriture des requêtes. Donc, j'expliquerai après les opérateurs. Donc là, à travers le même exemple, je montre comment nous allons réécrire les requêtes. Donc, global join va correspondre au nombre de résultats qui sont attendus. Nous avons introduit deux opérateurs que nous appelons L join et
et DJoin. Donc, à travers l'opérateur LJoin, nous arrivons à récupérer les BGP qui sont dans les sources de manière horizontale. Et à travers l'opérateur distributed BGP, nous arrivons à récupérer les sources qui sont les résultats qui sont donnés par une jointure de résultats provenant des différentes sources. Et puisque ces données sont partitionnées horizontalement, donc en envoyant l'opérateur qui récupère les sources en local, on arrive aussi à les récupérer. Donc l'opérateur LJoin est basé sur une approche BGP-based et l'opérateur DistributedJoin est basé sur une approche par triple. Donc de manière plus globale, ce que nous faisons en fait, nous appliquons une évaluation hybride aussi pour les partitions horizontales, pouvoir récupérer à travers les BGP des solutions qui sont internes à une source, et nous utilisons l'approche triple pour récupérer les données qui sont de manière distribuée. Donc là, de manière théorique, supposons que TP, c'est l'ensemble des triples qu'on a dans une requête. Donc on a introduit les opérateurs que j'ai expliqués, donc global join qui est le nombre de résultats attendus, local join qui est le résultat qui est fourni par chaque source, et distributed join qui est le résultat qui est fourni au moins par deux sources. Et donc de cette fait, lorsqu'on a un ensemble de requêtes à évaluer, on utilise les deux opérateurs LJoin, Union, Distributed Join. Mais par contre, cette approche est basée sur la distribution des prédicats. On peut avoir, pour un ensemble de prédicats, une sous-distribution. C'est-à-dire, on peut avoir des sous-ensembles de prédicats qui sont distribués. Et dans ce cas-ci, par exemple, pour un ensemble de prédicats TP, on a deux sous-ensembles TP1 et TP2. Puisque l'opérateur de jointure globale, elle est associative et commutative, on peut faire des sous-réécritures. Donc, ce qui nous donnerait des sous-local join et distributed join. Et après, en faisant la jointure globale, on arrive à avoir le résultat de l'ensemble de la requête. Donc maintenant, je vais parler de l'évaluation. Donc pour évaluer notre approche, nous avons pris les données de l'INSEE démographique et géographique que nous avons réparties en plusieurs partitions. La partition P1 où on a mis des résultats redondants dans les sources pour voir est-ce qu'on arrive à les gérer. La partition P2 où on a un BGP global le plus grand possible. Et la partition P3 où on a des sous BGP. Donc, nous les avons évalués à travers plusieurs requêtes, Sparkle, Select, Union, Minus, Optional, Filters, et une combinaison de ces requêtes. Donc, nous avons pris un moteur de requête, Cores Kagram, développé par Olivier, qui utilise l'approche triple-based pour la partition horizontale, et nous avons implémenté une version optimisée avec notre approche. Et l'environnement de test, donc nous avons pris un ordinateur où nous avons lancé plusieurs Sparkle endpoints en local pour voir, pour évaluer la nouvelle implémentation. Donc ceci, c'est les performances que nous obtenons. D'abord pour les requêtes distantes. Donc on a plusieurs. Là, on a les différentes partitions P1, P2, P3, les 3-4 figures de partitions qu'on a, et pour l'ensemble des requêtes, select, union, filter, minus, et là, on a le nombre de requêtes générées, de sous-requêtes générées par l'évaluation. Et donc, en rouge, donc, on a l'approche par défaut qui utilise l'approche par triplé pour la partition horizontale. Et en bleu, on a l'approche hybride que nous avons proposée. Et on voit que dans tous les cas, on arrive à réduire le nombre de requêtes qu'on génère. Et ce graphe montre le temps de traitement. Donc, on avait vu que pour l'approche par triple, toutes les jointures sont effectuées au niveau du moteur. Et l'idée de l'approche par BGP, c'est d'essayer de pousser une partie du traitement au niveau des endpoints. Donc là, on a le temps que prend chaque le
pour chacune des requêtes et les partitions, le temps de traitement qu'on a eu dans notre méthode de requête. On voit aussi qu'on a pu à chaque fois faire varier le temps, dans certains cas juste de 2% et dans d'autres jusqu'à 80%, comme par exemple ici avec la requête filter. Donc en conclusion, nous avons redéfini une sémantique pour exécuter des requêtes Sparkle en mode distribué. Nous avons proposé une approche hybride pour optimiser la performance de l'évaluation de la requête. Et dans toutes les partitions que nous avons utilisées et les exemples de requêtes, nous avons réussi à améliorer les performances. Et nous sommes conformes à Sparkle 1.1. Et comme travaux futurs, donc j'ai parlé que de la réécriture des requêtes. Donc on envisage d'améliorer notre source de sélection. Pour l'instant, on n'utilise que des requêtes ASK. Donc les requêtes ASK en Sparkle servent à savoir si un prédicat, si un résultat est true ou false. Donc c'est ça qu'on utilise pour avoir une idée de la partition des données. Donc en ajoutant peut-être des statistiques, on peut améliorer l'étape de tri des sous-requêtes. Et la dernière, comme travaux futurs aussi, c'est d'exécuter, de faire les tests en mode réseau pour voir le coût des communications et l'impact que ça peut avoir sur les différentes approches. Merci de votre attention. Thank you. Time for questions. Yeah, please. Avec votre permission, s'il vous plaît, je voudrais vous inviter à utiliser le micro quand vous prenez la parole, parce que ça permet, pour la vidéo qui est en train d'être prise, ça permet d'avoir une bonne qualité de son. Je vous en prie. Bonjour, j'ai une question concernant le partitionnement des données. C'est une hypothèse que tu fais quand tu lances tes requêtes, que tes données sont partitionnées préalablement? Ça veut dire que tu sais, avant de lancer ta requête dans FedEx, enfin dans le moteur fédéré, ouais, que les données sont partitionnées? Parce que normalement, les data providers sont autonomes, mais tu ne sais rien sur le partitionnement des données. Oui, justement, non, on ne sait rien sur le partitionnement des données. Mais même si les providers sont autonomes, on a les entités liées, donc on peut avoir des données qui se retrouvent dans plusieurs. Lorsque j'ai ma requête qui a plusieurs triple patterns, on a une partie qui peut concerner plusieurs providers qui ont les mêmes propriétés. Je veux dire, je peux avoir un prédicat qui peut se retrouver dans plusieurs providers, même si les données ne sont pas identiques. Donc on peut avoir des sous-résultats qui sont dans chaque provider, mais on peut avoir aussi des résultats qui sont donnés en faisant une jointure entre les providers. Oui, mais si tu veux, le partitionnement, il n'aura pas été conçu. Ça veut dire que, je ne sais pas, moi, tu pourras avoir des partitionnements où tu as deux trips d'un côté et puis 2 millions de trips de l'autre. Oui. Donc auquel cas, là, tu risques pas de gagner grand-chose en performance. D'accord. Au pire des cas, les BGP ne renvoient pas de résultats, mais ça... En fait, si les BGP renvoient beaucoup de résultats, donc on arrive à réduire le processing qu'on fait avec l'approche triple, au pire, ils ne renvoient pas de résultats et on aura fait l'approche triple dans tous les cas, même si on n'utilisait pas les BGP. OK. More questions? Okay, I will ask you one question about the experiments you presented for the performance. Yeah. I didn't understand very well with what you compare. System you compare with is distributed or not, and what kind of assumptions? Okay. In our team, we already had. It's okay to answer in French. Okay. Dans l'équipe, on avait déjà un système qui faisait de la fédération de requêtes, qui utilisait l'approche triple pour lorsque les données sont partitionnées, que ça soit partitionné horizontalement ou verticalement. Donc on a pris ce système et on a implémenté l'algo, nous, hybride, qui combine les deux, et on a fait la comparaison sur T1 et T2. Et oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est
Donc, dans les futures étapes, c'est de se comparer par rapport au FedEx et autres, ce que nous sommes en train de faire actuellement pour analyser les résultats. And you, I mean, the system is considered to be one of the, let's say, state of the art in the area to compare with. Yeah. Because, okay. Thank you. You're welcome. Anything more?